Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Zelda Majora's Mask. La dernière fois, sans spoil, on va totalement spoil. Avec spoil, du coup, on avait récupéré la princesse Mojo suite au donjon des Mojo, tout simplement. On l'avait libérée et du coup, on était en route pour la ramener jusqu'au roi Mojo. Tout simplement. En tout cas, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre principalement sur Twitch. C'est là où c'est le plus important pour nous. Et puis voilà, j'espère que vous passerez un agréable moment. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Alors bien sûr, on n'avait pas du tout oublié de faire la VOD. Hein. On n'avait pas du tout oublié. Donc du coup, on part directement voir le roi Mojo. Hein, parce que je vous avais pas oublié, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. YouTube, on vous a pas du tout oublié, absolument pas, absolument pas. J'avais pas du tout lancé le jeu et j'étais pas du tout parti voir le roi Mojo comme si de rien n'était en ayant oublié de lancer la VOD, absolument pas, absolument pas, absolument pas. Et merci mon Arnaud qui propose la fusion Tortank et Typhlosion. Tortank, Typhlosion, intéressant, en vrai intéressant. Je vais le noter de côté et je l'écrirai du coup après le live dans la commande. Donc du coup c'est Arnaud. Tac tac tac, Tortank, Typhlosion, en vrai c'est pas mal. Hein. Typhlosion, Flosion. Pour ceux qui se demandent sur la VOD, en gros sur la chaîne, on a un truc de point de chaîne où est-ce que les gens peuvent demander de faire une fusion entre deux Pokémon et après je les réalise en live dans le style Pokémon Infinite Fusion. Tout simplement, tout simplement. C'est horrible, monsieur Taneige. Et donc, du coup, on a vu qu'il suffisait de sortir, tout simplement, la princesse Mojo pour que le roi Mojo se calme. Et du coup, oh, ma princesse, ma tendre princesse, vas-tu bien? J'étais si inquiet. Père, y réfléchis. Et du coup, elle le tape. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Typhlosion avec un Y. Ouais, c'est Typhlosion avec un Y, je sais. Je sais. Tortank un peu feu, là, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Que faites-vous? Libérez ce singe à l'instant! Ah, ils sont trop cons. La VOD, c'est pas du tout les gens qui proposent, c'est uniquement Kiwuko. Non, en vrai, il y a eu Loup-Garou, il y a eu Arnaud, Ona, on a proposé une, si je dis pas de bêtises. Non, vous avez tous à peu près proposé, c'est intéressant. Après, bon, c'est vrai que Kiwuko a un peu spammé. Mais ça, c'est un détail. Vous pouvez voir, du coup, la liste qui apparaît juste ici. Il n'y a presque pas que Kiruko, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, monsieur singe, je suis réellement désolé. Père fait des choses tellement stupides quand il est inquiet à mon sujet. Moi, comprendre, princesse, vous oubliez ça. Temple être redevenu normal. Eh bien oui, grâce à monsieur Taneige ici présent. Je lui suis sincèrement reconnaissante. Magnifique. Vraiment, alors toi, t'appelais Taneige, non? Merci d'avoir tenu ta promesse envers moi. Je sais pas pourquoi je lui ai fait une voix comme ça. C'est pas grave. Et merci, mon loup-garou, pour tout à l'heure, que merci pour ton soutien. En signe de gratitude, notre chancelier vous a préparé un petit quelque chose. Nous vous prions de l'accepter. Vous le trouverez dans le sanctuaire à droite du palais en sortant. À droite du palais en sortant? What the fuck, hein? Le drame Mojo. Vous avez ramené la princesse Mojo au palais, le chancelier veut vous remercier. Rendez-vous au sanctuaire à l'extérieur du palais. Ok. 90% de mon Kiruko, oui, totalement. Hein. Totalement, totalement. Hein. En vrai, de vrai, Kiruko, il a carry un peu la fusion. Et donc, du coup, ils ont dit à droite, si je me souviens bien. J'ai un doute, attendez. Est-ce que ce serait pas là? Merde, je sais plus. Du coup, je sais même pas où est-ce qu'il faut regarder pour avoir ça. Journal... non, c'est pas ça. C'est pas dans le journal Bombers? Merde, j'ai oublié. Comment on fait pour voir tout ça? Je sais plus. Mince alors. Mais dans l'inventaire, on peut pas voir ça. Mince, je sais plus. T'en reçois beaucoup plus que t'en fais. Tu vas fermer les propositions ou pas? Ah non, 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 on les fera au fur et à mesure. On les fera au fur et à mesure, c'est pas grave. Là, t'es dans le jardin, faut sortir complètement. D'accord, ok. Ok, mais je sais plus, en fait, je sais plus si c'est à droite ou si c'est à gauche. Mais en vrai, ça doit être à droite, hein, parce que à gauche, c'est carrément le donjon, en fait. Donc, ça m'étonnerait, en vrai. Hop. Ah oui, et du coup, c'est logique, il y a les deux côtés. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est plus logique de passer par là, en vrai. En vrai, si t'avais pas été là, mon Rémi, je serais totalement parti vers l'autre côté, hein.
J'aurais totalement parti vers l'autre côté, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais trouvé autrement, j'ai envie de dire. Et ouais, du coup, il y a bien une entrée juste là. Très bien, très bien, très bien. À chaque fois, les sauts, ils sont à ça. Hein. À chaque fois, les sauts, ils sont à ça de soirée. Hop, et du coup, ce monsieur, ce chancelier, Tanej, je te suis sincèrement reconnaissant de ce que tu as fait pour la princesse. En signe de gratitude, nous, Mojo, avons préparé quelque chose qui pourrait t'aider. Je vais t'y emmener. Oh, suis-moi, je te prie. Oh, ouais, mais pars pas trop vite, en fait. Pars pas trop vite, je vais avoir besoin de toi. Ok. Il y a des pestes qui vont m'attaquer, j'imagine. Non, même pas. Putain, mais il va vite, ce con. Mais il va trop trop vite. Mais attends-moi, en fait. C'est fou. C'est fou. Mais attends-moi. Mais attends-moi. Mais mon ref. Mais mon ref. Mais c'est fou, ça. Je suis censé te suivre, je te rappelle, hein. Mais c'est pas possible. Mais attendez, mais c'est du foutage de gueule. Attends-moi. Ah, je crois qu'il m'attend, en fait. Je crois que je suis juste trop con, il m'attend. Je crois que je speedrun depuis tout à l'heure, mais en fait, il m'attend. Ouais, non, en fait, il m'attend, je suis trop con. Good luck. Ah, merde. Ah, il faut... Ah, en fait, il m'attend pas tant que ça, c'est ça? Ah ouais, non, il m'attend pas. Ah, mais il m'attend pas du tout, en fait. Mais qui est chien? Mais attends-moi! Mais bordel de merde! Mais bordel de merde! Mais il est trop chiant, ce con! Allez! J'en ai marre. Attends-moi! Allez, ok. Je suis en train de le speedrun, le truc, hein. Merde, j'ai pas vu. Ah si, c'est là, c'est bon. C'est bon, très bien. Ok. Et ici, ouais. Ouais. Putain, si jamais je dois le refaire après, je vais jamais m'en sortir. Non, 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 grouille-toi, Link. Grouille-toi, grouille-toi. Putain de Link de con. Putain, mais comment je suis... Non! Oh non, j'avais pas vu que ça glissait! Oh, bah jamais je le rattrape. Jamais je le rattrape. Jamais je le rattrape. Merde, putain, je suis trop con en plus. Quoique, là, ça va, hein. En vrai de vrai, là, ça va. Il est juste là, non? Ouais, il est juste là. Je crois qu'il y a certains moments où est-ce qu'il m'attend un peu. Putain, mais c'est gigantesque! C'est quoi, ça? Mais comment je suis censé faire? Hop, et là. Ouais. Ok. Allez. Mais quoi? Mais comment je suis censé faire? Quoi? Il t'a semé en beauté, il va falloir te remuer un peu plus la prochaine fois. Quoi? Mais comment j'étais censé faire? Comment j'étais censé faire? Un coup de main. Vous n'avez pas réussi à suivre le chancelier Mojo. Cela a été ajouté au journal. Mais comment j'étais censé faire? J'ai tout bien fait! J'ai tout bien fait, mais qui est bâtard! Attends, j'avais fait ça, mais comment j'étais censé passer au-dessus de ça? Comment j'étais censé passer au-dessus de ça, en vrai? Un coup de main? Comment ça, un coup de main? Non, ça va aller. Je vais réussir. Je le retente. Je le retente, je vais réussir. Je le retente, je vais réussir. Allez! Allez, allez, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et en plus, je peux même pas dire de... Comment? Je peux même pas dire de passer en avant parce que je connais pas le chemin. Ah, putain. En plus, je suis trop nul. La putain de ta mère, Link, grouille-toi! Ah, j'arrive déjà plus à le suivre. J'arrive déjà plus... C'est moi, il est encore plus rapide que tout à l'heure. C'est moi, il est encore plus rapide que tout à l'heure. Ouais. Ok. Jusque-là, tout va bien. Il m'attend un petit peu, mais c'est pas la joie, hein. En vrai de vrai, c'est pas la joie, hein. Putain, qui bâtard. Il peut pas m'attendre en plus. Allez. Ok. C'est toi? C'est moi? D'accord, c'est moi. Je sais même pas de quoi vous parlez. Je sais même pas de quoi vous parlez. Ok, là du coup ici j'avais speedrun en faisant ça. Allez. Ok. Très bien. Il y a des moments où est-ce qu'il m'attend un petit peu.
Il y a des moments où est-ce qu'il m'attend un petit peu, mais c'est moyen. Hein. C'est moyen, c'est moyen. Hein. Il pourrait m'attendre un petit peu plus, j'ai envie de dire. Là, ici, du coup, c'était comme ça. Là, comme ça. Ok. Là, je m'en souviens. Et là, c'était un tout droit. Là, il m'attend un peu. Je crois que je m'en sors un petit peu mieux que tout à l'heure. Oui, mais vous avez vu la tra... Comment il m'a tracé, là? Comment il m'a tracé, cet enfoiré? Non, mais ça va aussi. Putain, en plus, le truc est gigantesque. Jamais j'aurais pu réussir sans lui, hein. J'imagine que c'est faisable de le faire sans lui, mais là, impossible en vrai. Hein. Attendez. Hop, et là. Non, merde. Hop, ok. Ok. Et là. Ben non, mais comment je suis censé faire? Toi qui crois ça. Genre, il va pas plus vite. Hein. Genre, il va pas plus vite. Il y a que toi qui crois ça. Il va pas plus vite. Ça doit faire mal aux mains. Spam de spim de ouf. De ouf, de ouf. Ça saoule au bout d'un moment. Ça me saoule. Mais comment je suis censé passer ça? Je peux pas sauter comme ça. Comment je suis censé faire? En vrai de vrai, comment je suis censé faire? Je comprends pas. Parce que je peux pas faire des sauts moi-même en fait. Je peux pas faire des sauts moi-même. Je te le dis, ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Je comprends pas. En vrai, là, je m'en étais plutôt bien sorti, hein. Hop, là, ok. Putain, du coup, ouais, là, j'étais pas sûr. Passe en humain pour sauter. Ah! C'est pour ça, bah là. Bah, je suis trop con aussi. Hop, et là. Putain, pour sauter, faut passer en humain aussi. Ouais, non, là, il m'a attendu en vrai, hein. Là, il m'a attendu, hein. Je crois qu'au début, il est gentil. Au début, il est gentil, et après, il nous dit nique ta mère, quoi. Ouais, faut aller vite. Faut aller vite, yes. Hop, et là. Là, ok. Là, ok. Là, ok. Là, le saut est chaud, en vrai. Hein. Là, le saut est chaud. Hein. Ah, mais du coup, est-ce que les pestes mojo, elles m'attaqueraient si j'étais en humain, du coup? Je sais pas. Je sais pas si ça me fait aller plus vite de spam A. Je le fais, mais en vrai, je sais pas. Hop. Là, du coup, on passe là comme ça. En vrai, ça permet d'aller plus vite de juste... Allez, allez, allez! J'ai eu peur! J'ai eu peur, j'ai eu peur! Hop. Là, ok. Là, c'est tout à gauche. Ok. Ah, j'ai cru qu'il faudrait passer sur la droite, mais en fait, non. Là, je me souviens. Juste derrière là, on passe là. On passe ici comme ça, on va tout au bout. Je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. À force, ça va me venir, hein. Ah, putain. Je vais y arriver cette fois-ci. Là, c'est la boule, non? Ouais, c'est la boule. Il y en a une qui m'arrive juste ici, mais c'est pas grave. Je vais y arriver à force, hein. Je vais y arriver, je vais y arriver. En vrai, la première fois, là, sur ce tournant, j'avais réussi seulement parce que... comment? Parce que je l'entendais encore, hein. Sinon, sinon, je l'aurais pas eu. Hop. Ok. Et là, du coup, il faut que je passe en humain. Oh, punaise. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Et là, ok. Là, c'est faisable. Là, je l'entends ici. Ok. Et est-ce qu'on arrive à la fin, du coup? Est-ce que c'est la fin? Let's go! Let's go, let's go. En vrai, je l'aurais pas trouvé. Je l'aurais pas trouvé. Ça, tu le rattrapes dans le labyrinthe. Ouais, je le rattrape un petit peu. Pourquoi t'es pas mis en humain dès le début? Parce que je pense que si je suis en... Comment? Si je suis en humain, je me fais attaquer par les pestes mojo. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Mais du coup, merci pour le GG. Bien joué, Taneige. Merci. Maintenant, voici l'objet que je t'ai promis. Accepte-le, s'il te plaît. Vous obtenez le masque des parfums. Portez-le pour aiguiser vos capacités olfactives. En fait, quand je te regarde, tu me rappelles mon fils qui a quitté notre foyer il y a longtemps. J'avais l'impression d'être à nouveau en train de faire la course avec lui. J'ai peur d'avoir trop essayé de me dépasser. Je ne suis plus aussi jeune qu'avant.
Excuse mon impolitesse, entre dans la lumière près de moi si tu souhaites sortir d'ici. J'espère que nous nous reverrons. Hop, et merci mon Rémi pour le rapport, je ne l'ai même pas vu. Et du coup, j'ai rempli la gourde cette fois-ci, j'ai pas oublié. À ta santé mon Rémi. Fais bien attention à toi, ta neige. Peut-être que du coup, on a le masque de son fils en vrai. Peut-être qu'on a le masque de son fils en vrai. Il y a moyen, il y a moyen. Et du coup, vous avez réussi à suivre le chancelier Mojo jusqu'à la fin du parcours. Il vous a donné le masque des parfums. Mais je suis sûr que ça va être un masque comme, ça va être un masque comme celui de, comment ça s'appelle? Comme celui des fées, ou est-ce que ça nous change pas trop d'apparence? C'est juste, ouais, ça nous fait juste ça. C'est pas terrible. Je sais pas si ça va servir à grand-chose. Ah non, et apparemment, ça changeait pas. Ouais, non, il nous attaquait pas plus que ça. Ouais, les pestes Mojo, elles nous attaquaient pas plus que ça. Ok. Ce perso me rend triste un peu. Bah, en vrai, un peu, ouais. En vrai, un peu. Mais ça se trouve, on a vraiment le masque de son fils, hein. Il y a des chances, en vrai, hein. Il y a des chances, et c'est pour ça qu'il le dit. En vrai, Nintendo, il l'aurait pas mis s'il y avait pas un lien. Pas moi, rien à foutre. T'as bien raison, moi, Arnaud. En vrai, Nintendo, il l'aurait pas mis s'il y avait pas un lien. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hop, et là. La théorie de ta neige. Bah ouais. Bah ouais, en vrai, hein. Tu vois le Mojo mort que tu vois au début? Le Mojo mort que je vois au début? Non, ça me dit rien pour le coup. Non, pour le coup, ça me dit rien du tout. On va faire une petite sauvegarde juste ici. L'arbre. Non, ça me dit rien du tout. C'est fou! C'est fou, attendez. Non, ça me dit rien du tout. On regardera la première VOD après. On regardera la première VOD. Au tout début, avant d'arriver dans la ville. Avant d'arriver dans la ville. On re-regardera la première VOD parce que là, honnêtement, ça me dit rien du tout. Ce qu'on va faire du coup, en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça et on va retourner au niveau de machin là. Du coup, c'est R, X, A, R, X, A. On va retourner du côté de la ville principale. On va aller déposer du coup notre argent. Bois Cascade, Marais du Sud, Bourg-Clocher du coup. On va retourner à Bourg-Clocher. On va déposer notre argent et on va faire un reset du temps pour pas mourir, ce serait con. Que tu rencontres le vendeur de masques. Et est-ce qu'on peut toujours le voir là? Est-ce qu'on peut toujours le voir maintenant? Hop et là. Je vais déposer mon argent du coup. Excuse-moi, laisse-moi te regarder. Ta neige, ouais, déposer des rubis. On dépose tout ça, voilà, comme ça on est tranquille. Je crois que oui, bah dans ce cas-là, on va aller voir. Dans ce cas-là, on va aller voir. Dans ce cas-là, on va aller voir. Hop. Hop. Ah ouais, toujours aussi bizarre, hein, le vendeur de masques. Hop. Là non. Là je vois pas de Mojo hein. Ah et mais dans tous les cas on peut pas retourner par là. On peut pas retourner par là dans tous les cas. Du coup j'ai envie d'aller voir la première VOD. J'ai envie d'aller voir la première VOD. Est-ce qu'on irait pas voir la première VOD? Ah bah on peut plus. Est-ce qu'on irait pas voir la première VOD pour regarder ça? Dans tous les cas j'ai save. Vas-y, vas-y, ok. Dans tous les cas, j'ai save au niveau de Bourg-Clocher. On va peut-être refaire une petite save quand même au cas où. Je crois que j'ai pas save le fait d'avoir transféré les rubis. Donc vu à la. Je crois que j'ai pas save le fait d'avoir donné mes rubis. Donc au moins comme ça, ça c'est fait. On va du coup fermer le jeu et on va aller voir du coup la première VOD. Je vais vous passer en scène de visionnage. Tac, du coup, si on va sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Alors attendez, je crois que je suis sur ma chaîne principale là, si je dis pas de bêtises. Tac, ouais, je suis bien sur ma chaîne principale. On va du coup aller sur ma chaîne VOD. Hop, et on va aller voir rapidement. Peut-être pas dans YouTube Studio, je pense qu'on va aller voir sur notre chaîne directement. Et si on regarde du coup la première VOD. Je sais pas si vous entendez du coup. Je sais pas si vous entendez.
Ouais, là du coup à partir de là vous entendrez. Je vais baisser ça, je vais enlever le lo-fi. Tac. Et donc du coup si on avance un petit peu, là du coup c'est le début avec Skull Kid qui nous vole notre cheval, tout ça, machin. Ok. Là du coup on avance un petit peu. On se retrouve, on tombe juste là. Très bien, là il y a tous les masques, etc. Je me rappelle pas. Ouais, et là du coup là on se fait transformer en Peste Mojo. On se retrouve en Peste Mojo. La save, la save, hein. Non. Mais en full écran. Ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Là, ok. Là, du coup, on passe ici. Là, elle nous parle pour la première fois. D'accord. Là, on arrive ici. Ok. Ah, je crois que je m'en souviens. Je crois que je m'en souviens maintenant. Je crois que je m'en souviens. Il y a un arbre qui va apparaître dès qu'on va sortir là. Ah non. Ouais, là-bas au bout. Ah, je m'en souviens, mais oui. Mais oui, je m'en souviens juste là. Je m'en souviens maintenant. Quand on arrive au bout de cet endroit, même que je suis mort ici. Je crois que je suis tombé dans le vide au bout d'un moment. Oh, il y a un moucheron ici. Ouais, juste là, juste ici. Mais oui. Bah oui, du coup. Bah oui. Attendez, du coup, là, j'étais tombé. Hop. Ah. Ah, putain, les bâtards. En plus, ils ont dit, ouais, machin. Cet arbre te ressemble et tout. Bon, j'y vais à plus. Pas de soucis, Mathilde. Pas de soucis. Des bisous, des bisous. Ah, putain. Et donc, du coup, genre, le fils Mojo serait mort et on aurait récupéré son masque en se faisant attaquer par Skull Kid. Ah, ouais, c'est possible, hein. C'est grave possible, en vrai, hein. C'est grave possible, en vrai, hein. C'est le fils du majordome, bah ouais, du coup. Ah, c'est triste. En plus, on est resté longtemps à côté. On est resté pas mal de temps à côté. Ah, punaise, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Ah, ça fait mal au cul, hein. Enfin, non, ça fait mal au cœur, excusez-moi. Ah, putain, c'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Pauvre majordome. Merci les théories. Bah ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le temps. On va retourner dans le temps. Du coup, c'est YLR. Non, ça. YLR, YLR. Voilà. Merci les théories. Bah, en vrai, on y a pensé comme ça, hein. Alors, attendez. Le champ du temps vous ramène à l'aube du premier jour. Tous les objets non grisés de l'écran tactile seront perdus. Les objets non grisés. Ah, donc ça veut dire qu'on n'aura plus l'arc? On n'aura plus l'arc? Ah, mais ça fait chier. Ah, l'arc, on l'a que pour le premier donjon? Non, tu perds les flèches. Ah, d'accord, ok. Ok, oh bah dans ce cas-là, on s'en fout. Ouais, bah dans ce cas-là, on s'en fout. Dans ce cas-là, on s'en fout. Ah ouais, d'accord. Ah, ça remet juste à zéro. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop. Le lo-fi nuge. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Merci. Merci, merci. Je pensais que tu parlais de Luffy. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Je pensais que c'était une autre façon d'écrire Luffy. Et j'étais en train de réfléchir. Hop. Et du coup, par contre, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'était ralentir le temps, si je me trompe pas. Chant de l'apaisement, chant de l'envol, ode de l'appel. Sonate de l'éveil, chant du temps inversé. Et donc, du coup, ce serait ça. Donc, R, L, Y, R, I, Y, ok. Ouais, non, je pensais que. Ouais, non, j'ai pas. J'avais pas bien compris. J'avais pas bien compris. Et du coup, on va ralentir le cours du temps pour avoir un maximum de temps. En gros, tu perds les rubis, du coup, nut, d'acoustique et arrow. D'accord, ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever quand même le masque et on va sortir par ce côté-là, tu vois. On va sortir par ce côté-là. On s'en fout un petit peu, il va nous reparler, mais on s'en fout un petit peu. Voilà. Voilà, très bien. Ça va être le feu ce dimanche en plus. J'avoue que je suis pas du tout, donc j'en ai un peu à.
Pas rien d'à péter, mais un peu rien d'à péter. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez, la dernière fois du coup on était allé juste en face, du coup pour aller au niveau du marais on était allé juste en face. En vrai de vrai, moi je suis curieux, j'ai envie d'aller voir, c'est au niveau du ranch Romani. Ça me titille, j'ai envie d'aller voir. Regarde la photo OP. Et ta neige d'ailleurs, ça fait un bout de temps. Je t'ai pas vu sur mon tournoi et t'as tout le troisième tour à faire. Tu pourras le faire, ça ferme dans pas longtemps. Ouais, je vais m'en occuper. Rappelle-le-moi en DM et je m'en occuperai, ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci, pas de souci. Oh quoi? Oh, c'était pas voulu. C'était pas voulu, mais c'est plutôt rigolo. C'était pas voulu, mais plutôt rigolo. En vrai, ouais, le ranch machin truc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, j'ai envie de voir. Non, merde. Ah putain, il me vole mes rubis. Il me vole mes rubis. Cet enfoiré, il me vole mes rubis. Ah, mais attends, quoi? Ah, il m'a volé mon épée. Il m'a volé mon épée, ce fils de pute. Non. Non. Il m'a volé mon épée, mais comment... Quoi? Non. Je pensais qu'il m'avait volé des rubis seulement. Mais reviens là. Mais reviens là, en fait. Mais reviens là. Mais il est parti. Mais comment je suis censé faire? Mais comment je suis censé faire? J'ai plus mon épée! Pardon? Mais laissez-moi mon épée en fait! Mais comment je suis censé faire? Comme toi, ton épée a été volée, quelle malchance. J'ai récemment entendu parler d'une obscure échoppe en ville qui vendrait des marchandises volées. Ah. Une échoppe en ville qui vendrait des trucs volés. Une échoppe en ville qui vendrait des trucs volés. On va aller voir ça. On va aller voir ça. En vrai, il y a de grandes chances que ce soit là. Stand de tir. Non, bah non, du coup. Non bah non, ça va pas être là. Aïe aïe aïe, mais je me suis fait voler mon épée quoi! Fais chier. Attends, c'est quoi ça? Manège des amoureux, on s'en fout. Manège des amoureux, là ici c'est quoi? Règlement du bar laitier. Je crois qu'on cherche une échoppe en ville qui vend des trucs volés, mais je suis pas sûr. 1000% c'est ce truc là. 1000% c'est ce truc là. Ah non, même pas. Résidence du maire, ça m'étonnerait que ce soit là. Merde alors. Car je suis le laitier. C'est avec un AI. Parce que le laitier comme ça, c'est un petit peu bizarre. Peut-être ici? Peut-être ici? Auberge du bourg-clocher, bah non, du coup. Et là, c'est quoi? Offrez le coffre pour une splendide récompense, tente de chasse au trésor. Oh, c'est un magasin en forme de coffre, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. Merde. J'avais même pas fait gaffe. Le laitier. Gamin. C'est une dinguerie, les lives, t'en ferais une sound alerte? Je pense pas en faire une sound alerte, mais on peut en faire une référence, y'a pas de souci. Peut-être plus par ici, du coup. Putain, ça nous ralentit de ouf! Ça nous ralentit de ouf pour rien! Là, ici. Bazar, peut-être ici. Attends, quoi? Ouvre à 10h. Putain, mais quel emmerdeur. Mais qui est bande d'emmerdeurs? C'est fou. C'est fou. Troc en trop. Alors, je vois pas l'épée. Attendez, elle se met dessus. D'outils pas à vendre. Si tu resets le temps, ça te la rend pas? J'avoue que ce serait beaucoup plus intéressant. J'avoue que ce serait beaucoup plus intéressant. Ah, attendez, du coup. C'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant que de chercher pendant 1000 ans pour récupérer juste une putain d'épée, hein. C'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant. Hop.
Allez, ta gueule. Allez, 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 allez. Mais du coup, j'ai perdu mes rubis. Oh non. Mince alors. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Quel dommage. On a perdu deux rubis. Allez. Est-ce que je peux utiliser mon putain, ma putain d'épée là? Sinon, après, je reste en mojo. Hein. Et c'est bon, on a récupéré l'épée. Allez, allez, on est reparti. On est reparti, on va voir le ranch. Aïe aïe, c'est bon, juste parce qu'un putain d'oiseau a décidé qu'il allait me prendre mon épée. Merde alors, hein. Merde alors. Allez, et du coup on va direct là-bas, on perd pas notre temps. C'est ce qu'on voulait faire dès le départ. Hop. Ah mais du coup non, j'ai pas de machin. À la limite, je vais me mettre en mojo. Comme ça, il peut pas me voler mon épée. Comme ça, il peut pas me voler mon épée, il m'emmerde pas. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça on m'emmerde pas. Et je suis content. Voilà. Non, me parle pas, j'ai pas envie de te voir. La dernière fois, je t'ai pété la gueule, j'ai jamais pu te tuer. Je vois pas pourquoi tu pourrais me voler mon épée. Oublie pas le champ du temps inversé. C'est vrai, t'as raison. J'ai failli oublier. Champ inversé, du coup. Je crois que c'est ça, hein. J'ai un doute. Du temps inversé, parfait. Merci. Merci, merci. Heureusement que t'es là pour me le rappeler. Parce que j'allais oublier. Et j'aurais bien été dans le caca si j'avais oublié. Ah mais attendez, on n'est pas déjà passé ici? Ah merde alors. Le monde après avoir appris que Taneige, un petit streamer, a perdu deux rubis, ne valent plus presque rien sur un jeu qui a 25 ans. T'as vu ça? T'as vu ça? Du coup, je suis en train de me DL des ROM Pokémon sur 3DS. Bah t'as bien raison. T'as bien raison, faut profiter. Faut profiter des bonnes choses de la vie. Hop. Piste des Gorman. Non, moi je veux voir le ranch. Moi je veux voir le ranch. Il est où le ranch? Ah, il est peut-être par là le ranch. Et dans ce cas-là, on peut pas y accéder. Ouais, ranch Romani, on peut pas y accéder. Bah, j'ai envie de voir par là. Tingle, en vrai, on s'en fout un petit peu. C'est des cartes un peu oubliables, j'ai envie de dire. Hop, très accueillant les mojos, hein. T'as vu ça? Incroyablement accueillant avec un singe en grillade. Et coucou mon Linky, comment vas-tu? Comment ça va? Hop et là. Ah mais attendez, c'est ça le ranch finalement? Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ah mais... Alors, c'est peut-être moi qui est fou, hein, mais... C'est moi ou ça ressemble à un personnage très célèbre de Nintendo qui a potentiellement un autre frère? C'est moi ou ça ressemble à Mario? Alors, comme ça, monsieur découvre Majora's, et oui, je découvre Majora's, comment vas-tu, Erratic? Comment vas-tu? Aïe, aïe, comment il va le majordome? C'est Mario Waluigi! Attendez, on va lui parler. Et toi, que fais-tu dans un endroit comme ça? Nous sommes les frères Gorman, et ceci, c'est notre centre équestre. Il ne faut pas venir ici si tu n'as pas de cheval. Bah, j'ai pas de cheval, désolé. Désolé, je vais te décevoir, mais je n'ai pas de cheval. Frère louche, attendez, c'était quoi? C'était écrit quoi? C'était écrit frère louche? Voudrais-tu acheter du lait? Juste entre toi et moi, le lait qu'ils produisent dans le ranch Romani est coupé à l'eau. Ça ne vaut pas le coup d'en boire. Nous, on ne fait pas ça ici. Le nôtre est parfait et pur, frais, plein de vitamines et tout et tout. C'est vrai, je te le fais pour pas cher, tu en veux? Bah du coup, non, j'ai pas de rubis, donc je vais pas m'amuser à acheter avec des trucs que j'ai pas, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Alors le marais, tu l'aimes, ta neige? En vrai, c'était plutôt pas mal, hein. Moi, je me suis bien amusé dans le marais. Avec, whoop, pour ceux qui ont la rêve de la dernière fois. Whoop. Quand on sort des fleurs, ça fait whoop. Enfin non, justement, quand on rentre dans les fleurs, pardon, ça fait whoop. Je vais essayer d'en trouver une. Il n'y en a pas une quelque part par là? Une fleur qui fait ouloup. Mon nom est Jui, sa petite ref. Magnifique. Attendez, vous allez voir le ouloup. Attention. Ouloup. Attendez, on va le refaire. On va le refaire. Ouloup. Ça me fait rire. Ça me fait rire à chaque fois, c'est quand même fou. C'est quand même fou que ça me fasse rire à chaque fois. Ouloup. Wesh les gars, ça va ou quoi, bande de bail? Comment ça va? Bonjour mon Itix, comment vas-tu?
Alors là, ici, du coup, on n'a pas de truc pour planter, mais c'est pas bien grave. Bon, du coup, c'est pas au niveau du ranch. C'est pas au niveau du ranch. Bah écoutez, on va continuer par ici, en vrai, hein. On va continuer par là, voir s'il n'y a pas une autre entrée vers quelque part d'autre, et puis on verra bien. On verra bien, on verra bien. Je sais pas qui est-ce qui adore Luigi sur cette chaîne, mais bon. Sur cette chaîne, en vrai, qui adore Luigi. Je suis pas de fan de Luigi ici, hein. La flore, elle est comme ça. Ça va et vous? Ben, ça va très très bien. Ça va être très très bien. Moi, je préfère Luigi à Mario. En vrai, il y a pas mal de gens qui préfèrent Luigi à Mario, hein, soyons honnêtes. Mario, c'est un peu le prétentieux, quoi. Attendez, c'est moi ou je suis en train d'essayer plein de trucs comme ça, sans faire gaffe? J'avais même pas regardé. Tu cherches quoi là, du coup? Un autre endroit où aller. Tout simplement, un autre endroit où aller. Une suite au jeu, j'ai envie de dire. Une suite au jeu. On vient de faire les marées. Donc, je ne sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Ouh, celui-là, il est gros. Oh, celui-là, il est là pour se battre, j'ai envie de dire. Je dirais par ici, en vrai. Ça me paraît être le bon chemin. Quoique, ça a l'air bloqué juste là. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. En sachant qu'on nous a donné un nouveau masque, en vrai. On nous a donné un nouveau masque, le truc du sniffer. Je sais pas si ça va nous servir à grand chose, en vrai. T'as fini le temple du marais? Oui. Oui, on l'a fini la dernière fois. Vous devenez quoi? Bah écoute, je ne sais pas quoi te répondre. Qui a planté une pancarte dans la fleur? Une pancarte dans la fleur? Ah, la pancarte fleur, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Vidéo de trash qui explique que Mario, c'est un gros clébard. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Tu as l'arc? Ouais, j'ai eu l'arc, du coup. Bon, Gigo, bonne soirée, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, mon Nitix, profite bien. Profite bien, profite bien. Et puis, à très bientôt, j'ai envie de dire. À très bientôt. En vrai, de vrai, j'ai aucune idée de où est-ce qu'il faudrait... D'où est-ce qu'il faudrait aller. Et eux, ils sont méchants ou pas? En tout cas, ils me foncent dessus, donc j'imagine qu'il est pas... Ça fait quoi si je le tape, genre? Ah, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok, si je le tape par derrière. Ok. Très bien. Non, plus sur le côté. Link, quand on tape, c'est sur le côté. Ok, ouais. Ah, mais j'ai plus de vie! Ah, mais il me faisait des dégâts depuis tout à l'heure! Ah, merde! Je voyais pas ma vie descendre. Je voyais pas ma vie descendre et je remarquais pas. Merde. Merde alors. Ah merde, j'ai pas été très fut-fut cette fois-ci. Bande de gamins. Mon Linky, je vais te piquer ton emote avec la pancarte dans la fleur mojo et je vais écrire dessus. Je vais piquer ton idée. On n'est pas très malin. Bah ouais, t'as vu ça? Je suis pas très malin, c'est quand même fou. Et par là, en vrai, par là, c'est le laboratoire, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai jamais été de ce côté-là. Peut-être par là, du coup. Peut-être par là. Je vais te voler ton idée, mon Linky. Tu peux t'inquiète, je prends pas cher en royalties. Faudrait déjà que je récupère de l'argent pour pouvoir te donner des royalties. Oh, attendez. C'est une souris terroriste! Pourquoi je me sens obligé de faire ce genre de blague? Pourquoi je me sens obligé de faire ce genre de blague? Aïe, aïe, aïe. Attendez. Ouais, bah peut-être par là, du coup, en vrai, hein. On va aller par là. On va voir. J'attends que tu perces ta quête. Aïe, aïe, tu me fais confiance. Tu me fais confiance, ça fait plaisir. Non, bah je pense qu'on est sur le bon chemin en vrai. Hein. Regardez, on en tue une. Ah. Ou alors j'attends qu'il y en ait une autre qui pop. Ouais, je l'amène juste là. Pour péter ça. Viens, viens, tu pètes là. Non, ça marche pas. Ah, attends, qu'est-ce qu'elle. Comment ça? Et qu'est-ce qu'elle nous dit?
Cette grille est une horreur. Si nous passons, il faudra sauter par-dessus. Mais on ne peut pas y arriver comme ça. Nous reviendrons plus tard. Ouais, donc c'est pas par là qu'il faut que je passe. C'est pas par là qu'il faut que je passe. Quand tu seras à Dubaï, je te ferai une voiture. Ah, punaise. Du coup, je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. Autant les marées, ça m'était venu tout seul. Autant les marées, ça m'était venu tout seul. Autant là, j'ai aucune idée. Vraiment aucune idée, quoi. Oh, attendez, non, c'est pas ça que je veux voir, moi. C'est pas ça que je veux voir. Comment on fait pour aller dans le truc de suivi, là, Merde. Je me souviens plus. Pleine Termina, non. Non, ça, je m'en fous. C'est pas ça. Merde. Comment on fait? J'ai pas un truc. Je suis sûr que vous voyez même pas de quoi je parle. Ça change du quotidien, les factures, 0 minutes. Faut trouver une solution, je crois, mais je suis pas sûr. C'est quoi votre tier liste des races dans Zelda? Alors là, en vrai, aucune idée. En vrai, de vrai, je saurais même pas dire. Je saurais même pas dire. Oh, 3 coeurs d'un seul coup. Trop bien. Trop bien. En vrai, de vrai, j'aime bien les Gerudo parce que Urbosa, pour moi, God tier, tout simplement. Sinon, bah, les Illiens, ils sont bien. Oula, alors, attendez. Attendez, attendez, un gros message de Erratic. Il faut trouver une dans Beau Clocher. Ah ouais? Je viens de me rendre compte que c'est que dans Majora's que j'aime le truc qui nous accompagne dans Ocarina of Time. Navi est chiante dans Skyward Sword. C'est la même chose, très chiante, pire que la prof d'anglais dans Twilight Princess. Bon, Midona est géniale, mais elle dit rien, alors que dans Majora's, cette fée, elle aide vraiment Nintendo. Refaites des persos comme elle, marre des trucs qui disent qu'un coffre est important, alors qu'on voit bien qu'il y a un design différent. Ah, attendez, j'ai trouvé! Ouais, j'ai trouvé sans faire exprès! C'est ça que je voulais trouver. C'était ça que je voulais trouver. J'ai trouvé sans faire exprès. Il fallait juste appuyer sur plus. Aïe, aïe, aïe. Alors, Loup-garou, justement, je vais faire des tier list dans vraiment pas longtemps. Faudrait que tu me fasses penser à faire celle-là. Bah, bonne idée. Bonne idée. Tous ces goûts. Aïe, aïe. Et du coup, ouais, non, je sais pas. En vrai, on m'a donné le masque de sniffer de je sais plus trop quoi. On m'a donné le masque là, masque des parfums. Portez-le pour affûter votre odorat et repérer à coup sûr les senteurs les plus légères. Il doit y avoir quelque chose à faire avec ce masque. Ouais, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, le masque. J'avais pas pensé du coup. Oh, attendez! Oh, du coup, maintenant je peux faire ça? Trop bien? Merde, ça c'était pas voulu. Ça c'était pas voulu. Le masque de sniffer de cul, c'est vrai que maintenant que tu me dis à l'écrit, bon, ça fait plus bizarre que dans ma tête. Pour moi, après les auras et ensuite les mojos. Ok. Ah, et du coup, maintenant, hop, si je fais ça, voilà, hop, je saute là et hop, le quart de cœur. Magnifique! J'y avais même pas pensé. J'y avais même pas pensé. Et du coup, bah écoutez, on va mettre le masque de sniffer de cul, encore une fois. Le masque de sniffer de cul, on va voir ce que ça donne, hein. Attendez, là-bas, il y a une pancarte que j'avais pas vue. Il y a une pancarte que j'avais pas vue. Est-ce qu'on pourrait pas passer par ici? Juste là, pour passer au-dessus, là-bas? Je crois, hein. Ouais, c'est short, mais ça passe, ok. Et là, du coup, ici, aire de jeu des pestes mojo au fond de ce trou. Ah bah, let's go! Ah bah, attendez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Hop, et là. Et du coup... Oh! Oh, wow! Qu'est-ce donc? Alors, tu veux y jouer? Oh, il faut 10 rubis. À bientôt! Ah bah, à bientôt! Ah d'accord, c'est un truc, Pest Mojo vivant dans un trou au nord de Bourg-Clocher tienne l'aire de jeu de Pest Mojo. Ok. Ah, tu me dis quand tu veux la solution du jeu. Ouais, je te le dirai, t'inquiète pas. Je te le dirai, je te le dirai. Ah, j'avais oublié les Minish, les Iliens, le peuple de Crépuscule et Sheikah.
J'avoue que en vrai, Zelda Minish Cap, j'aimerais bien le faire en stream parce que j'avais fait Zelda Minish Cap de mon côté et je l'avais adoré, sauf que j'avais jamais réussi à battre ces Vaati, je crois le dernier, le combat de fin. J'avais jamais réussi à le faire, donc ce serait bien de réussir à le faire en stream en vrai. Oublie pas que moi aussi je connais le jeu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon loup-garou connaît le jeu, c'est vrai, c'est vrai. On va remettre le masque de sniffer. Oh, attendez, on va sniffer le chien. On va sniffer le chien. Regarde le petit chien. Regarde le petit père. Non, ça a pas l'air d'être ça. De sniffer. Qu'est-ce que ça peut nous aider à faire? Sniffer, va. Et coucou, mon Kiruko, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Là, ici, c'est quoi déjà? Bazar. Non. Là, c'est quoi? On peut pas savoir. Troc en trop. Troc en trop, on avait été? Troc en trop, on avait été ou pas? Ah oui, c'était celui qu'on avait été, justement. Sniffer, arrête de sniffer. Là, ici, c'est quoi? La boutique de bombes. Ah, mais on n'en a toujours pas de bombes. Oh, c'est quoi ça? Bienvenue, oh voilà, un bien joli masque. Tu es prêt pour le carnaval? Parlez aux commerçants. Nous attendons un arrivage de grands sacs de bombes très bientôt. Mais maintenant que j'y pense, il est déjà tard. D'accord. Ouais, je peux pas plus que ça. Oh! Oh, un goron! Salut, vous êtes venu acheter des bombes, c'est ça? Ne le répète pas, mais j'ai une bombe énorme qu'on ne trouve pas dans cette boutique. Oh, mais cet article est tellement lourd que je ne pense pas vous puissiez le transporter. Désolé d'en avoir parlé. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix, mais je trouve que ça lui va très très bien. En mode eh oui, bordel, le boss à la con. Skyward Sword aussi, il faut que je le fasse en stream. Surtout qu'il y a la version HD qui est sortie sur Switch. Que j'ai acheté. Et que j'ai pas fini! Il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et lui alors? C'est un centre d'études martiales ici. Pourquoi portes-tu un tel masque? Je ne pue pas. Je prends au moins un bain par mois. D'accord. C'est marrant, en fonction du masque, ils réagissent différemment, c'est rigolo. C'est rigolo. Je reste pas longtemps, je suis dehors, y a pas de souci, t'inquiète pas, mon Kiruko. Y a pas de souci. Parti faire la tournée du courrier, attendez un petit moment. Ah oui, là c'était le facteur. Alors là on était arrivé ici. Là ici peut-être? Quand tu parles au commerçant, donne un coup de stick à droite. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'aime bien la musique des magasins. J'aime bien la musique des magasins. Attendez, c'est moi qui fais ce bruit? Ah merde! Non bah écoutez, je vois même pas ce que je pourrais potentiellement faire en fait. Ah ouais, il y a lui toujours qui va trop vite. Ouais. Est-ce que je pourrais pas... Ah si, je peux remonter directement. Et là, faut attendre une certaine heure, ouais. Enfin, une certaine heure, certains jours. Je vois tellement pas ce que je dois faire. Il fait des sniffs de cochon, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah merde alors. Et en fait, elles servent à quoi ces boîtes aux lettres? Déposez votre courrier. Bah, je m'en fous. Bah non, je veux. Non. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Aucune idée. Je vais peut-être finir par trouver, hein. Oh, manège des amoureux. Avec moi, avec mon masque de... D'accord. Et si je leur parle, on dirait que nous avons un visiteur, chérie. Je me demande si c'est un client, amour. Oui, mais il me semble pas posséder de sac de bombes, chérie. Oh, dans ce cas, il ne peut jouer aujourd'hui, n'est-ce pas, amour? D'accord, ok. C'est encore un autre truc. Un autre truc. Donc, il nous faut des bombes. Indice... Attends. Attends. On va trouver. Je pense que je vais trouver. Je pense que je vais trouver. Eux, je leur ai jamais parlé, tiens. On est jongleurs jumeaux de la troupe de Gorman. Gorman. Gorman, ça me dit quelque chose.
On s'entraîne pour le carnaval, faudrait vraiment être dans la lune pour manquer ça. Sauf que cette année, vaut vraiment mieux pas y être dans la lune. Elle est vraiment flippante, tu as vu ses petits yeux vicieux? Oh, oh, j'ai entendu dire qu'elle allait tomber plus fort que les boules que mon frère maladroit fait tomber à l'entraînement. Ah merde alors. Tu vois, on est des artistes, on doit divertir les gens. Quelles que soient les, circonstances, pas le temps d'être triste. Oh, 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 pourquoi je ris, cette blague est nulle. Peut-être dans une autre langue, ça veut dire un truc. Ah merde, du coup, j'ai pas plus réfléchi que ça. Ah, du coup, je me souviens plus de ce qu'il a dit. Tu vas nous divertir aussi du genre. Oh le bâtard. Oh, j'ai cherché le banane à neige, j'arrive. Je vais préparer le chrono et je vais chercher le banane à neige. Ah le bâtard, il m'a eu. Il m'a fanté. Hop et là. Ah, attendez, tac tac tac. 20 minutes et j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ah, ça vous amuse, hein, ça? Ça vous fait plaisir, hein? Je lance le décompte, il y a bien 20 minutes. Allez, c'est parti. Aïe, 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 romp, j'allais dire la même chose. Et ici, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tu vois, cette blague, en fait, les traducteurs savaient pas traduire la blague, donc ils l'ont mis là, peut-être dans une autre langue, ça veut dire un truc. En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo de ouf. Oh, lui, il me dit quelque chose. Le bar ouvre la nuit, messire, et c'est réservé aux membres. Nous refaisons les personnes qui n'ont pas de preuve d'adhésion. Bon, je dois nettoyer la salle, alors tant que tu ne restes pas dans mes pattes, tu peux rester. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu regardes? On dirait que ton spectacle a été annulé. Tu n'as plus besoin d'être là, du coup. Je suis venu boire, je suis client, non? Eh bien, client, le bar ouvre à 10h, attends le moment de plus. Attends, le moment de plus? Ce bar est réservé aux membres pour y entrer. Il faut montrer une preuve d'adhésion. Eh bien, en ce cas, je n'ai pas besoin de lit. Je veux juste m'asseoir et penser un peu. Laisse-moi rester pour que je puisse réfléchir. Très bien, fais comme tu veux. What the fuck? Et bonjour, coucou, l'enfileur de perles, attendez, on va discuter un petit peu. Bonjour, l'enfileur de perles, comment il va, comment ils vont, comment que ça va? Et coucou les gens du raid, et coucou mon Jao, pardon, j'avais pas vu ton message, comment vas-tu, et comment vous allez, comment s'est passé ton live, mon enfileur de perles, comment ça s'est passé? Est-ce que, du coup, tu étais encore en train d'enfiler des perles? Est-ce que tu étais toujours en train d'enfiler des perles? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'avez-vous fait de beau? Comment ça a été? Et comment vont les gens dans ton chat? J'ai envie de dire. D'ailleurs, on va faire un petit SO à l'enfileur de perles. Attendez. Tac, point d'exclamation SO. Tac, enfileur de perles. @ l'enfileur de perles. N'hésitez pas à aller faire un petit tour chez monsieur l'enfileur de perles. Apparemment, loup-garou peut faire aussi le SO, ce qui est pas normal. Mais ok. ok. Wow, le raid m'a pas envoyé. Ah mince. Ah bah pourtant, tu fais quand même partie des raiders, d'après moi. Mais enfin, en tout cas, dans les personnes, tu m'apparais comme un raider. Bon, écoute, tranquille, Yep, on a enfilé des perles. C'était une petite commande personnalisée, mais magnifique. Magnifique, ouais, c'est sûrement le VIP qui fait ça. Bon, c'est pas bien grave. Très très bien. Et du coup, c'était quoi comme commande personnalisée? Comment ça a été? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était une belle réalisation? Est-ce que tu es fier du coup de ce que tu as fait? Est-ce que tu es fier de ça? Tac, je regarde vite fait du coup. On a un petit timer du coup du nombre, du temps que je dois porter le banane à neige. Aïe, aïe. Non mais ouais, c'est sûrement le VIP qui fait ça. Honnêtement, je vais peut-être l'enlever, hein.
Je vais peut-être l'enlever, le fait que tu puisses faire des SO. Une tortue toute pipou avec le nom de ma nièce, donc oui, plutôt content. Ah bah oui, bah magnifique. Ah oui, en plus, si c'est pour ta nièce, ça doit forcément faire plaisir. Bah magnifique, bah en tout cas, n'hésitez pas, les gens de mon chat, à passer du côté de l'enfileur de perles qui fait des lives de très bonne qualité. J'ai pas encore eu énormément l'occasion d'aller sur tes lives avec le travail, etc. Mais de ce que j'ai vu et de... des moments que j'ai passé chez Monsieur l'Enfileur de Perles, c'était un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas. Ah, j'ai juste testé, mais t'inquiète, je ne ferai plus. Non, mais il n'y a pas de souci. Du Jean Banane Neige pour le raid, c'est parfait. J'ai bien timé, t'as vu ça. On a moins galéré qu'avec le Nezuko de vendredi dernier. Bah, magnifique. Magnifique. C'était Nezuko, comment il s'appelle, le Pokémon. Punaise. Je suis un pro en Pokémon d'habitude. Mince, comment il s'appelle? C'est pas Magie Rêve, c'est celui juste avant. Feu Forêt, voilà, magnifique. Exactement, loup-garou. Exactement. T'inquiète, pas de problème, tu es le bienvenu quand tu veux. Mais pas de pression. C'est gentil. Et ouais, du coup, c'était Nezuko Feu Forêt. En vrai, il était très stylé. Hein. Très stylé. Bah en tout cas, nous, sachez qu'on est sur Zelda Majora's Mask. On continue du coup la découverte en soi, parce que pour moi c'est une découverte. J'y avais joué quand j'étais plutôt jeune, à la version 3DS, que je n'avais jamais fini. J'avais jamais réussi à aller plus loin que le tout début. Donc c'est une full découverte. Donc un vrai plaisir, et en vrai, j'apprécie énormément le jeu. Donc je suis très content. Je suis très content et j'espère que vous passerez un agréable moment de notre compagnie. En vrai, devant, on va repartir sur le jeu. Hein. On va repartir sur le jeu. Yep, il était stylé, il rend plutôt bien dans mon décor, forcément, du coup. Forcément. Bon, du coup, là, on était en train de chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de maintenant. On a fait le marais des Mojo. Mais honnêtement, là, tout de suite, j'ai aucune punaise d'idée de ce qu'il faut faire. Vraiment. Trop bien, Majora's Mask, mais de ouf. Moi, je passe un giga bon moment, mais honnêtement, je sais pas ce qu'il faut faire. donc c'est un peu problématique, j'ai envie de dire. Hop. Ah merde, non. Ah, c'était pas ça qu'il fallait faire. À moins que ce soit ça qu'il fallait faire, mais je me suis foiré. Le lo-fi, oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, le lo-fi, il s'enlève pas automatiquement. C'est un peu chiant. Le lo-fi. Excusez-moi. Hop, et là. Je vais réessayer, mais je pense pas que ce soit ça qu'il faille faire. Ah si, ok, c'est ça. Après, je pense pas que ce soit là la suite, mais on sait jamais. Ah, il y a juste un coffre ici, en fait. Ok. Du coup, un petit indice, ça peut être assez cool. Un petit indice, ça pourrait être plutôt pas mal. Ça pourrait être assez appréciable, j'ai envie de dire. Ouais, un petit indice, parce que là, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Le seul semi-indice que j'ai, c'est le masque qu'on a récupéré, mais sans ça... À part ça, j'ai aucune idée. Et on va aller déposer, du coup, les rubis qu'on a récupérés. Les 100 rubis, ce serait dommage de les perdre. Tac. Hop, mince. Combien veux-tu déposer? Ouais, on dépose tout ça. Faut utiliser l'arc quelque part. Nuit Barlon, quartier nord, à 11h du soir. Quartier nord? Quartier nord, du coup, nord, c'est juste là. À 11h du soir? À 11h du soir? À 11h du soir? Bah attendez, on va accélérer le temps. On va accélérer le temps, du coup. T'inquiète, je l'indique pour un item bonus. Hop. Et donc, du coup, à 11h du soir, voilà. Et du coup, on va passer là. Hop. Je vais prendre, du coup, l'arc que je vais mettre juste là. Et j'imagine, du coup, ce ballon juste là. Pour moi, ce serait ça, hein. À 11h du soir, il fait genre... Non, il fait soir, là. Non, pas le ballon. Mais attends 2 minutes.
Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Je m'entraîne à la Sarbacane. Ah, journal des bombers, je me souviens pas qu'on en avait un membre comme toi. Bah, peu importe. Si t'es un bomber, ça leur règle les problèmes des gens. Si tu appuies sur Start, tu peux consulter l'historique. Ah oui, non, c'est vrai, ouais, ok, donc c'est pas ça. Attends 2 minutes. Y a Tinkle, mais Oh, quoi? Oh, what the fuck? Ah, je savais même pas. Surveille la sortie. La sortie, du coup, ce côté-là. C'est à minuit. Je suis un peu perdu, là. Je suis un petit peu perdu. En vrai, comment j'aurais fait pour trouver ça tout seul? C'est à minuit, l'event de la mamie. Attends, c'est quoi ce bruit-là? Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit, je l'ai entendu. J'ai entendu, il y a eu un bruit. J'ai entendu, il y a eu un bruit. Ça va se faire tout seul. D'accord, ok, très bien. Ouais, donc j'aurais pu galérer pendant un moment, en fait. J'aurais pu galérer pendant un moment. Et donc, du coup, d'ici quelques secondes, maintenant, il est 12h. Ah, là! Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, tu peux me laisser passer? Le jeu est fait pour que tu trouves des événements à certaines heures au pif. Genre, tu te balades ici au pif à 7h et puis il y a un truc différent. D'accord. Et là, je surveille la mamie. Très bien, bah écoutez, on va surveiller la mamie, hein. On va la surveiller de bien près. On va la surveiller comme ça. What the fuck? Le jeu est buggé? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Oui, attention, au voleur, au voleur! Rendez mon sac à une vieille dame! Tac! Pef, mon pote! Hey, chez mon pote! Merci beaucoup, grâce à toi, on pourra enfin avoir des grands sacs de bombes au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Ah oui, tiens, pour te remercier, c'est un masque dangereux, mais tu pourras l'utiliser pour faire ton propre feu d'artifice au carnaval. Le masque explosion? Portez-le et faites-le exploser avec B. What the fuck? L'inconvénient, c'est que chaque explosion vous fait perdre de l'énergie. Quoi? Merci mille fois de m'avoir aidé, prends soin de toi. What the fuck? What the fuck? Mais c'est tellement random. Vous avez protégé le baluchon de la vieille femme. Cela a été ajouté dans le journal. D'accord. Ok. Ok. Voilà, bombe masque. Maintenant, go acheter des bombes. Bah ouais, du coup. Du coup. Hop. Et si je mets du coup le masque. Si je mets du coup le masque. Ça me fait ça. Et si j'appuie sur B? C'est rigolo. C'est rigolo de ouf. C'est trop bien. Attendez, et genre, il faut que je l'enlève et je le remette pour refaire une explosion. Attendez. Hop. Non, ça marche pas. Faut que j'attende un certain moment. C'est une dinguerie. T'as quoi comme masque d'ailleurs? Je te laisse regarder pour l'instant, j'en ai que 4. J'ai que le masque explosion, le masque des parfums, le masque de la grande fée et le masque mojo. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. C'est une dinguerie! C'est une dinguerie. Par contre, je me souviens plus d'où est-ce que c'était le vendeur de bombes. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc peut-être aller voir. Ici, non? Je sais plus. Excusez-moi. C'est une singerie. Hop, et là. Laitier, donc non, c'est pas ça. Je vais enlever ça quand même. Là, c'est l'auberge. Là, c'est le truc trésor. Là, c'est le truc des amoureux, non? Manège des amoureux, on s'en fout. Attendez, là, non. Là, c'est le truc de laitier. Là, du coup, c'était quoi? Stand de tir. Ça va être quelque part par ici, non?
Bombe infinie contre de la vie, c'est pas mal. En vrai, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Peut-être ici. Résidence du maire. Ah oui, non, ça c'était le maire. Ça c'était le maire. Peut-être plus de l'autre côté, en vrai. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Hop. Bon, dans tous les cas, il va falloir attendre le lendemain. Donc autant faire le champ du temps. Voilà. Je commence à bien m'en sortir au niveau des touches. Je commence à carrément bien m'en sortir. Hop. Et on va passer à l'aube du deuxième jour. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Menu, je suis à vue, mon rabat ou pas? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. C'était il y a un moment en plus. Et du coup, à ta santé, mon Rémi. À ta santé, mon Rémi. Et d'ailleurs, on va aller faire une petite sauvegarde. On va aller faire une petite sauvegarde pour regarder un petit peu cette avancée, j'ai envie de dire. Hop. Peut-être prendre un peu de thunes. Hop. On va prendre un petit peu de thunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre genre... On va prendre 100 rubis, ça me paraît bien, non? 100 rubis pour avoir des bombes, ça me paraît bien, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je tente, hein, de toute façon, on verra bien. Je verrai bien. De rien, mon luge. Fait plaisir. Fait plaisir. Hop, et là. Là, ici, c'était quoi? Non. Il veut pas... non? Là, ici, peut-être. Je crois que c'était là. Je sais plus. Je sais plus. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Ça doit être celui juste là. Ah bah voilà, avec une grosse bombe. Ah, c'était ça, forcément. Forcément, forcément, forcément. Et donc maintenant, si je dis pas de bêtises, hop, un type sapin m'a aidé. Nous pouvons enfin vendre des grands stacks de bombes. Une fois de plus, les géants me protègent. Maman, tu ne devrais plus transporter les sacs de bombes en pleine nuit. C'est une invitation au vol. De plus, j'ai entendu dire qu'un voleur rôdait à la périphérie de la ville. C'est notre rêve depuis toujours de vendre des grands sacs de bombes. Puisque nous ne pouvons pas obtenir de marchandises fabriquées par les Gorons, c'était une chance pour nous, fiston. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de grave, maman. Ah, c'est mignon un peu. Bienvenue! Et bah du coup, 10 bombes. Et grand sac de bombes, 90 rubis, parfait. Parfait, parfait, parfait. Un grand sac de bombes, parfait. Parfait, parfait, parfait. Hop, vous avez acheté un grand sac de bombes en ville, vous allez pouvoir transporter plus de bombes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, et du coup, il nous faut 30 rubis. Il nous faut 30 rubis. Bon. Je pensais qu'on serait bon avec 100 rubis, mais en fait, pas du tout. Je pensais qu'on serait bon, mais en fait, non. Parce que je me suis dit, en vrai, on peut transporter jusqu'à 200 rubis. Transporter 200 rubis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc je me suis dit, on va prendre la moitié, mais en fait, non. Tac. Retirer du hobby, du coup il nous en faut 30, on va mettre du coup 9 ici et 1 ici, ça nous fait 19, ça va nous donner 30. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc du coup c'était juste là, voilà. Et donc du coup avec les bombes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les bombes? J'ai un doute du coup. Dis bombe, tu ne peux plus rien porter. Quoi? Comment ça? Comment ça, je peux plus rien porter? Ah, parce que j'ai déjà... Je me sens trop con. Je me sens trop trop con. Je me sens tellement con, putain. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Bah attendez, du coup on va redonner nos thunes. On va redonner nos thunes, voilà, déposer, on dépose les 30. Et on part à l'aventure, let's go! Let's go, let's go, on part à l'aventure, on va trouver ce qu'on peut faire du coup avec les bombes. On va trouver, on va trouver. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais on va le trouver. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais on va le trouver. Par ici, du coup, ça va pas être ça. Honnêtement, ça va pas être ça. Ah, peut-être du côté du ranch. Peut-être du côté du ranch. Ouais, c'était un gros flop, hein. C'était un très gros flop, hein. Peut-être du côté du ranch, en vrai. Ah merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Y a pas moyen de...
Ah oui, non, à partir du moment où je mets genre là ou là, je peux faire que si je touche sur l'écran tactile, d'accord. Ah, c'est pas pratique, hein. C'est pas pratique cette histoire. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'était plus qu'un gros flop là. Peut-être du coup que les bombes vont pouvoir permettre de péter le rocher du côté du machin là, du ranch. On va voir ce que ça donne. On va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai vu. Let's go, enfin je peux jouer à Infinite Fusion. Vas-y, vas-y, amuse-toi mon Rémi. Amuse-toi, amuse-toi. Je passe en l'heure qu'il n'y a pas de soucis mon Rémi, amuse-toi. Amuse-toi, amuse-toi. Ah bah justement, justement stream stickers qui nous dit de s'amuser avec les stickers. Hop et là. Et donc du coup si je fais ça. Ouais, s'il se déplace, c'est que ça doit être ça. S'il se déplace, c'est qu'il doit y avoir un lien avec ça. Ah non, même pas. What the fuck? What the fuck? C'est pas ça qu'il faut faire? On va faire les choses autrement. Non. Toujours pas. Pourquoi le jeu veut me faire flopper là? Il y a un truc qui me. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais attendez, mais du coup, les bombes, elles vont nous servir à quoi? Les bombes, elles vont nous servir à quoi? Si c'est pas par là, là ici, y a rien. Excusez-moi. Excusez-moi, je bâille. Hein. Les bombes, elles vont nous servir. Ah, peut-être. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Peut-être là, juste ici, il y avait un truc qui potentiellement pouvait être pété avec une bombe. Ah, je peux enlever le banane de neige. Attendez, on va essayer ça. On va essayer ça et on va voir. Là, juste là, non? Non, j'ai pas l'impression en fait. Ah, je pensais qu'il y avait un truc, mais en fait pas du tout. Ah merde alors. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ah si, juste là, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose, honnêtement. Là, si je pose là comme ça. Ah mais non, mais pourquoi ça me jette? Ouais. Et si je vais en dessous? Je pose également malheur. Il n'y a pas de souci, mon loup-garou. Il n'y a pas de souci. Profite bien de ta l'heure, que du coup. Et à très très vite, j'ai envie de dire. À très très vite. Attendez, c'est moi ou c'est un giga piège ça? C'est moi ou c'est un giga piège? Merde alors. Non, non. Ok. Non, mais retourne. Mais pourquoi je peux pas bouger? Ok, c'est bon. Putain, merde. Merde. Ah putain, je suis trop nul, je vais mourir! Je vais mourir, je vais mourir! Allez, reviens là! Vas-y, attaque-moi! Pef! Ah merde, 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 merde! Ok. Au pire, attendez, c'est pas rien. C'est pas bien grave, ça va pas changer grand-chose si. Voilà. Et là, du coup. Bah non, mais ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien cette merde. Je comprends rien. Merde, je suis mort du coup. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est quoi les Zelda auxquels t'as jamais touché? J'ai jamais touché à Ocarina of Time. Je sais, c'est une hérésie de jouer à Majora's Mask sans l'avoir fait. J'ai jamais joué. En vrai, j'ai fait rapidement Skyward Sword, mais je l'ai pas fini. J'ai fait le premier. J'ai fait le premier donjon, mais pas plus. Link Between Worlds, j'ai fait. Link to the Past. Peut-être Link to the Past, j'ai jamais fait. Link to the Past, j'ai jamais fait. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Et du coup, à ta santé. À ta santé, mon Rémi. Twilight Princess non plus, c'est vrai. Twilight Princess, j'y ai pas touché. Twilight Princess, j'y ai pas touché. Là, ici, il y a encore ces trucs-là. Après, il y a ça là-bas aussi, hein. Est-ce que j'aurais pas... J'ai quelques flèches. On va tenter avec les flèches, tiens. Hop. Là, ça fait quoi?
Ouais. On va faire pareil là ici et là ici, hein. On va voir ce que ça donne. Et si, les tue tout simplement. Merde. Faudrait déjà que je les touche. Ok. Ok. À partir de là, je suis censé faire quoi? Il y a un réceptacle de cœur ici, mais en fait, ça sert à rien. Cet endroit, il sert à rien. Tu comptes les streams, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il t'en manque beaucoup, dis donc. Ouais, de ouf, hein. De ouf, de ouf. Bien sûr, je compte les streams, ouais. Ouais. Ouais, sûrement un jour on fera ça. Hein. Même, c'est même pas sûrement, c'est on va le faire. On va le faire. Putain, mais il y en a plein qui spawnent ici. C'est fou. Par contre, ouais, non, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire là. On va essayer là-bas, du coup. Essayer là-bas, voir si je peux pas péter un truc. Hop. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Ça le tue ou pas? Bon, magnifique, hein. Toujours ça de fait. Ouais, ouais, Twilight Princess, c'est sûr que je le ferai en stream. Ocarina, pareil. Je compte faire aussi Minish Cap. Minish Cap que je veux finir parce que j'ai jamais, je l'ai jamais fini. Par ça, peut-être ici, du coup. Ce serait d'envoyer ça. Merde, mais non, je voulais le balancer. Non, ça marche pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Regarde là-haut, je te parie que si tu avais une arme assez efficace, tu pourrais le transpercer en un coup ou deux. Ouais. Bon, c'est pas par là. J'ai l'impression d'être un énorme débile mental, honnêtement. J'ai l'impression d'être tellement débile. Hop et là. Allez, tu vas. Ça va exploser, mon pote. Ça va exploser à plusieurs reprises. Attention, hein. Hop et là. Allez, je me venge de tout à l'heure. Voilà. Voilà dans ta gueule. Pef, mon pote. Alors. Alors. Easy peasy, mon pote. Non, merde. Ok, et let's go. Et let's go, en fait. Easy. Et en vrai, oh waouh, pas mal. En vrai, ouais, je n'en déc. Non, mais je trouve pas, honnêtement, je trouve pas. Là, par ici, du coup, c'était juste, il fallait sauter au-dessus. Par là-bas, il fallait sauter au-dessus, donc... Donc, je pense pas que les bombes, ça change quoi que ce soit. Elle nous disait très clairement qu'il fallait sauter au-dessus. Elle nous a très clairement dit, ouais, il faut sauter au-dessus, mon ref. On va sauter au-dessus, hein. À moins qu'on fasse exploser ça, du coup. Hop, merde. Ah, mais si je suis trop con aussi. Merde. J'arrive pas à bien le positionner. Ah non, bah non, ça a rien fait. Pourquoi ça l'a pas pété? Pourquoi ça l'a pas pété, je comprends pas. What the fuck? D'où ça l'a pas pété? Que je t'ai dit pour avancer, si tu veux, je change rien, je redis tel quel. T'avais dit avec l'arc? L'arc sur un truc? C'est vrai que t'avais dit avec l'arc. Et loup-garou, lui, il m'a dit... il m'a dit avec la bombe. L'arc. T'avais dit avec l'arc quelque part? Hmm. Oh, je connais juste pas assez le jeu. Je crois que j'ai juste pas encore passé assez de temps à chercher. Faut utiliser l'arc quelque part. En soi, c'est logique, hein, on l'a récupéré. C'est logique qu'on ait besoin de l'utiliser quelque part. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah tiens, on va l'utiliser sur lui, l'arc. Ah. Je peux pas lui parler? Non, je peux pas lui parler. Ah, voilà, ok. Bonjour, monsieur. Attendez, je récupère les rubis, excusez-moi.
Hey, j'ai volé ces rubis à un corbeau, fais pas pareil, man. Chez mon pote. Chez mon pote. Hop, et là, on récupère nos petits cœurs. Dire que je resterai toujours flou dans mes indices. Non, mais t'as bien raison. T'as bien raison, vaut mieux. Vaut mieux que plutôt que de dire totalement ce qu'il faut faire. Ah, là-bas, il y a un coffre. Là-bas, il y a un coffre. Là, ici, il y a ça, mais on s'en fout un petit peu. Hop, un petit coffre. Non, mais en vrai, t'as raison. Hein. T'as raison, vaut mieux être large. Plutôt que de dévo complètement. Là, ici, on peut pas grimper dessus. Non. Faut utiliser l'arc quelque part. Putain, j'ai aucune idée, c'est fou. C'est fou! Ah mon dieu! J'arrive pas! Je trouve pas! Merde alors! Oh, autant le marais c'est venu tout seul. Il y a tout qui est venu tout seul. Autant là, aucune idée quoi. Merde alors. Ah là, peut-être un truc à péter. Peut-être un petit truc à péter. En vrai, il y a que le truc là qui me titille un peu, mais hop, voilà. Ouais, ça, on peut le péter. Est-ce que ça va réellement servir à quelque chose? Je ne sais pas. Ça nous amène juste là. Oh, waouh. Il reste que 39. Oh, on s'en fout un peu. Ça sert à rien, ça. Tu vas arriver après, peut-être ta fée peut aider. Je dois t'avouer, je sais pas si elle t'aider pour savoir où elle est. Ma fée peut m'aider? Ma fée peut m'aider? Ok, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Mais ce truc-là, ça me perturbe. Ce truc-là, là-bas, ça me titille, j'ai envie de dire. Je vais retourner aller voir parce que ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît bizarre. Oh, il est de retour lui. Bah, il va jamais me laisser tranquille. En espérant qu'il me brûle pas le cul, ouais, parfait. Ma fée peut m'aider. Ah, attends, peut-être avec le masque des fées. Mais ça m'étonnerait. C'est juste pour faire arriver les fées plus facilement sur soi. Putain, je l'ai tenté en plus tout à l'heure. Et je l'ai tenté et ça a pas fonctionné tout à l'heure. Je sais plus, mais quand je dis elle peut aider, faut lui parler. Genre moi, je faisais ça, je parlais à la fée pour avoir un indice parfois. Ah. Ah, d'accord, ok. Ok. Mais honnêtement, ça, je l'avais essayé. Hein. Je l'avais essayé et ça avait pas fonctionné. Donc un peu dégoûté, honnêtement. Là, ok, ouais. Viens par là, toi, on va te péter ta gueule. Je vais te péter ta gueule. Voilà. Et ça nous donne des bombes. Ouais, donc les bombes sont utiles. Hop. Allez, hop, et là. En vrai, ça va, je commence à maîtriser à peu près le jeu. Là, ici, on peut pas faire quelque chose avec ça. On peut les prendre, ouais. Ok. C'est pas bon signe ça, si nous pouvions exploser ces boules de neige, d'accord, ok. Et donc là maintenant on a besoin de bombes. Bon, bon c'était pas nécessaire. La deuxième était pas nécessaire. Ok. Je sais pas où est-ce que ça va nous amener, sur quel peuple ça va nous amener en vrai ce truc. Pef, allez on se tape. Magnifique. Je sais pas sur quel peuple ça va nous amener cet endroit. Les auras en vrai, il faudrait qu'il y ait de l'eau.
Les Gorons, bon, c'est plus du côté du volcan. Honnêtement, je sais pas trop où est-ce que ça va nous amener, ça. Les Gerudo, bah, c'est désert. Village dans la montagne. D'accord, bah, du coup, ce serait peut-être juste des Ilians, en fait. Ah, bah, non! Ah, putain, attendez! Il y avait un Goron juste là. Oh, cette musique! Oh! Spécial, la musique, hein. Spécial, spécial, hein. Hop, et là. En vrai, je pense que j'aurais. Si je l'avais fait de mon côté, j'aurais jamais réussi. Oh, waouh! Bonjour, monsieur. La ferme! Juste au moment où mon rêve devenait intéressant. Oh, bienvenue, j'ai pas eu le temps. Oh, mais tu vas la fermer! Le gros là, c'est mon assistant, c'est Gabora, aussi crétin qu'un bâton mojo. Alors, tu es venu pour affûter ton épée, malheureusement, nous ne pouvons plus travailler. C'est à cause du froid hivernal qui règne ici. Tu vois, notre four est gelé, et tu sais, c'est pas évident de geler un four. Si le temps continue, nous n'allons pas pouvoir reprendre les affaires avant le printemps. Ah, si je pouvais faire quelque chose pour ce four gelé. Ouais, bon, ok, on peut rien faire pour l'instant vu que c'est tout gelé. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'espère que j'ai pas loupé d'informations importantes. Là ici, lui, on va essayer d'aller lui parler. On va essayer d'aller lui parler. Ouh, par ici, je suis désolé de t'appeler de si haut, mais j'ai tellement faim que je pourrais manger un arbre et je suis coincé ici. Ouais, mais je suis censé faire quoi en vrai? Merde, non, jette. Merde. Si je fais ça. Merci beaucoup, mais je ne peux pas manger de cette chose. Ah, il veut vraiment un truc à manger? Peut-être ça? Peut-être ça, non? Merde, c'était trop. J'ai pas réussi à lui envoyer. Qu'est-ce que je peux lui envoyer en vrai? Ouais, je vais tenter ça. Et merci, mon Arnaud, pour ta lurk. Ça fait plaisir, merci pour ton soutien. Non, je les envoie trop bas. Je peux pas les envoyer plus haut que ça. Donc il faut vraiment un truc à bouffer. J'ai pas un truc à bouffer? Ça, des haricots magiques, non, du coup. On va tenter avec une petite noix, mais je pense pas que ce soit ça qu'ils veulent. Et dans tous les cas, on peut le mettre que au sol. Ok. Un truc à bouffer. Un truc à bouffer. Là, c'est quoi ça, ce truc qui dépasse du toit? C'est juste un pot? Attendez, on va regarder les panneaux, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça dit, etc. Là, ici. Au profond de Goron danger, les Gorons qui ne savent pas nager doivent s'éloigner. D'accord. Là ici. Vers les pics des neiges, attention aux chemins glissants et aux chutes de boules de neige. D'accord. Ok. Vers le pic des neiges, attention aux chemins glissants et aux chutes de boules de neige. D'accord. Et du coup, si je passe par là. Bon, ça va, l'eau est pas gelée non plus, apparemment. J'arrive pas à monter dessus. J'arrive pas à monter dessus. Ah, mais je peux plonger? Je savais même pas. Je savais même pas que je pouvais plonger. J'avais encore jamais remarqué que je pouvais plonger. C'est quand même fou. Bon, pour l'instant, pas par ici, apparemment. Et par là, qu'est-ce que ça nous donne? Hop. Vers le village Goron, attention au Wolfo blanc. À vrai dire, je serais peut-être parti par là, moi, honnêtement. On va peut-être partir par là, on va voir ce que ça donne. Et sûrement qu'au village Goron, on pourra trouver quelque chose à manger pour notre camarade Goron, là, qui a froid. Un truc à manger. Hop, et là. Parce qu'en soi, ouais, les boules de neige, je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Oh, waouh. Attendez, c'est moi ou c'est un Goron qui est gelé? C'est moi ou c'est un Goron qui est gelé carrément? Hop et là! Attendez, on va esquiver. Hop et là! Oh non! Non, merde! Les Wolfos blancs, ils sont plus difficiles que les Wolfos de base ou pas? Je pense pas. Enfin, j'en sais rien.
Ah putain, mais du coup. Ok, ah bah non, bah ça va en fait. Ah bah ça va tranquille. Et du coup, ouais, c'est un Goron qui est gelé carrément. Attendez. Oh putain, what the fuck? Waouh, il a été congelé. Waouh, c'est un ancêtre Goron. Et je peux pas. Je peux pas, genre, exploser à côté de lui. Non, ça fait rien. Non, je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit en vrai. Je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Là, ici, si je passe par là, non. Attendez, comment je fais pour monter, moi? Comment je suis censé remonter? Ah, par là, ok. Ah, il faut juste pas que je me casse la gueule, d'accord. D'accord. Bon, lui, on s'en occupera sûrement après, hein. Ça fait un peu peur, honnêtement. Ça fait un peu peur, honnêtement. Là, il y a Tingle, ok. Ok. Là, du coup, on aura sûrement un accès pour plus tard. Hop, et là. J'ai pas un truc pour utiliser mon bouclier, genre. Hop, et là. On va esquiver son petit coup. S'il veut bien nous taper. Hop, et là. Merde. Hop, et là, magnifique. J'ai réussi. J'ai réussi sans prendre un seul coup. Je suis content. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Oh yeah. Et du coup, ici, on arrive au village Goron. Ok. Qui est tout glissant. Sur 3DS, c'est la gâchette gauche. C'est la gâchette gauche. Ah ouais, t'as raison. Ah ouais. Ah, merci. Non, droite, pas gauche. Ouais, j'ai appuyé sur la droite en pensant gauche, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Oh, lui, il va nous reparler, attendez. Attendez, attendez, on va descendre Prestos, pardon. Et merci mon pada. Merci mon pada pour ta lurk et pour ton aboire, ça fait plaisir. Merci, merci, à ta santé. Merci, merci, merci. Ah, mais du coup, Link, il a froid. Bon, écoutez, on va parler au hibou. Ouais, on va parler au hibou. Je sais qu'il prend pas mal de temps à parler à chaque fois. Hop. Ouf, ouf, comme on se retrouve enfin des fées. Mes statues t'ont-elles été utiles? Bien, il semble que tu aies la force de changer les choses dans ce pays, comme je m'y attendais en fait. Mais la route devant toi est encore plus dangereuse, de nombreuses épreuves t'attendent. Tu dois t'occuper du sort des Gorons. Leur pays est maudit, il est condamné à être envahi par le froid. Il va devenir un pays dévasté où rien ne pourra survivre. Il te faudra du courage et de la détermination pour surmonter les épreuves terribles qui t'attendent. Si tu veux faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi, alors, alors seulement tout ça ne sera qu'un jeu d'enfant. Alors veux-tu essayer? Bah ouais. Ouh, ouh, tu es un enfant plein de ressources. Très bien, peut-être as-tu vraiment le pouvoir de changer la destinée du peuple de la montagne. Je vais m'envoler dans les cieux, mon vol va me mener vers ce temple ancien. Suis-moi, je t'ouvre la voie. Ne te fais pas abuser par les apparences, laisse-toi guider par ton intuition et le chemin s'ouvrira sous tes pieds. Es-tu prêt? Suis-moi de près. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Petit coucou vite fait à toi, je laisse ma lurk. Il n'y a pas de souci, mon Gwen. Pas de souci, mon Gwen. À très très vite. À très très vite. Et merci. À très très vite. Hop, et là. Oh, d'accord, ok. Oh, waouh. Oh, putain. Oh, merde, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais pas. Hop. Ok. Mais comment ça se fait que c'est invisible? Ah, j'ai bien fait de lui parler, en fait. Hop, et là. Ok. Ok. Ouh, ouh, j'ai maintenant la preuve que de ton inébranlable courage et de ta détermination inflexible. Ne sois pas trompé par l'apparence des choses. Fais confiance à ton intuition. Allez, entre dans le sanctuaire. Tu y trouveras quelque chose qui t'aidera dans la suite de ta quête. Utilise cet objet pour revenir. Bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. À la limite, ce que j'aimerais bien, c'est trouver un truc pour sauvegarder. J'avoue que ça m'arrangerait. J'aimerais bien trouver un petit truc pour sauvegarder. Hop. Bon, il y a un petit coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh mon dieu, c'est moi qui sors du coffre. Vous obtenez le monocle de la vérité. Regardez au travers pour voir les secrets invisibles à l'œil nu. Utilisez pour changer. Ok, très bien. Ok. Et du coup, si je mets ça, par exemple, là.
Ah. Oh, attendez. Oh, du coup, il y a un coffre qui apparaît. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Et genre, du coup, ça nous permet d'avoir des rubis. Oh, merde! Ah bah, ça m'a pas permis de voir ça. Merde, je suis trop con. Je suis trop trop con. Hop, et là, voilà. Je l'avais pas vu, du coup. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Ah, mais c'est trop pratique, en vrai. C'est trop pratique. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de choses. Ah, et du coup, maintenant, on peut voir les plateformes. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop... Oh! What the fuck? What the fuck? Voilà qui est étrange. Tu peux me voir. Si tu peux me voir, alors suis-moi. What the fuck? Qu'est-ce que... C'est un fantôme? Ah, mon chat, il a faim. Mon chat, il a faim. Non, non, tu montes pas. Tu montes pas, tu montes pas, tu montes pas. Merde, du coup, j'ai pas vu où est-ce qu'il était allé. Juste là. Ah, punaise, Max. Max, 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 Max. Hop, et là. Non, c'est un chien, ça se voit. Enfin, bah ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Mais attendez, mais où est-ce que je peux sauvegarder? Parce que c'est bien beau tout ça, mais je vais devoir bientôt arrêter le live, moi. Je vais devoir bientôt arrêter le live, ça m'arrange pas toutes ces histoires. Et du coup, il va nous faire arriver jusque-là. Ok. Ok. Et là, ici, il y a un truc pour sauvegarder. Oh, quoi? Comment ça? Ah non, d'accord, il est juste là. Très bien. Très bien, très bien. Il y a un loup derrière qui est passé. Qui est apparu. Hop. En vrai, on s'en fout un petit peu. On va juste suivre le... On va juste le suivre. Et une save devant chez le forgeron, si tu veux, vu que t'es passé devant. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense qu'il va nous faire aller par là, hein. Je pense qu'il va nous faire aller par là, honnêtement. Hein. Je fais que le suivre, hein. Je cherche pas plus loin. Je fais que le suivre. Hop. D'accord, il va par là. Bah, on va partir par là aussi. Et du coup, il est juste là. Mais pourquoi il nous amène jusqu'à là? C'est très bizarre, hein. Honnêtement, c'est très bizarre ce qui se passe. Honnêtement, c'est très très bizarre ce qui se passe. Ah, est-ce qu'il va nous faire... Ah, d'accord. Ah, j'avais pas vu ça. Oh non. J'avais bien fait les choses. J'avais réussi. Oh non, j'avais réussi, je suis dégoûté. J'étais sûr d'avoir réussi là pour le coup. Hop. Si je passe par là, si je passe là-dessus, je vais pouvoir atteindre ça. Voilà. Et je vais pouvoir faire ça. Très bien. Et du coup, si j'utilise le monocle, je vais pouvoir monter juste là. Tu comprendras quand il sera nu. Ouais, bah oui, j'imagine. J'imagine, j'imagine. Hop, et là. On va passer sur le côté là comme ça. Mais du coup, est-ce que j'aurais pu grimper sans le monocle? Est-ce que j'aurais pu le faire sans le monocle, honnêtement? Mon chat, il sait. Mon chat, il a un panier. Il se met en dessous du panier. Il est trop con. Attendez, je vais prendre une photo. Attendez, je vais prendre une photo. Mon chat, il a un putain de panier. Il se met en dessous du panier. T'as un problème, Max. T'as un problème. Je la mettrai sur Discord si vous voulez. Je la mettrai sur Discord. Il est trop con, ce chat. Ah, attendez, je crois que je suis bloqué. Je crois que je suis pas au bon endroit. Ah, il aurait fallu que j'aille autre part. Faut que j'aille de l'autre côté. Très bien. Hop. Ah, mais il faut carrément que... Ah, d'accord, faut carrément que je redescende. J'enverrai la photo sur le Discord juste après le live. Il est trop con, ce chat. Oh, mais il est trop mignon en même temps. Il est trop trop mignon. Hop, allez. Hop, et là. Non, attendez! Oh non, je suis trop con! Ah, bah, tant pis, c'est pas grave. Je recommence. Ah, mais je peux pas l'utiliser indéfiniment? Mais c'est trop nul. Oh, mais c'est trop chiant. Ah, mais non, mais moi je voulais le faire, ça. T'as plus de magie? Oui, j'ai plus d'endurance. Mais où est-ce que je vais chercher de l'endurance, moi? On va déjà faire une petite save, comme ça au moins ce sera fait.
À la limite, peut-être en détruisant ces trucs-là, non? Là, je récupère une bombe. Là, voilà, je me disais bien. Je me disais bien, je me disais bien. Et hop, on va faire une petite save, comme ça, c'est good. Comme ça, c'est good, comme ça, c'est good. Allez, on va le retenter, du coup. On va le retenter, on va le retenter. Là, je pense que je peux atteindre. Non, ok, très bien. Je me suis pris un... Je me suis pris... J'ai cru, mais en fait, non. J'ai cru, mais en fait, non. Là, à la limite, du coup, je peux faire ça. Oh putain, mais je suis trop nul! Je suis trop nul! Hop, et là. Si je fais ça... ouais. Va falloir que j'attende que ça passe. Que le petit y passe. On va attendre quelques instants, hein. Parce que en vrai, je pense pas que je puisse atteindre, à moins que je fasse ça. Et ensuite, du coup, non, punaise, c'est trop chiant, c'est trop trop chiant. Honnêtement, c'est trop chiant. Hop, c'est moi où ça tourne autour des trucs là. Hop et là, ouais. J'aurais peut-être dû rester juste sur celui-là, en vrai. Ok. Et là, du coup... Ah oui, d'accord. Ok, ça m'aurait permis de m'accrocher là-bas au bout. J'ai une musique déprimante pendant qu'il pleut chez moi. Ah bah non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est... Faut pas se déprimer comme ça, mon loup-garou. Faut pas se déprimer comme ça. Punaise, j'ai réussi du premier coup tout à l'heure, et là, vous allez voir que je vais pas réussir à le faire. Vous allez voir, je vais pas réussir à le faire. Hop, ok. Ok, très bien. Et du coup, maintenant. Bah du coup, je vais pas rester indéfiniment dessus. Another love en slowed. J'avoue que ça me dit rien du tout, honnêtement. Ça me dit rien du tout. Hop, et je crois que je peux monter directement, du coup. Tac. Tac, tac, tac. Mais c'est bon, il pleut plus. Ah bah magnifique alors. S'il pleut plus, s'il peut plus tout, tout ne peut qu'aller mieux. Hop, et du coup de ce côté-là. Tom O'Dell. Non mais bah, je connais pas. Bah hésite pas à m'envoyer en MP du coup pour voir. Hésite pas, hésite pas. Pour me faire découvrir ça, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais avoir un truc pour sauvegarder ici encore? Non, je crois pas. Je crois pas, je crois pas, je crois pas. Et du coup, juste là, l'oiseau qui monte dans le ciel m'a dit qu'un être qui peut me voir arriverait bientôt. On dirait que sa prédiction s'est réalisée. Je suis Darmani, le troisième, l'essence de fier et valeureux Goron coule dans mon corps. C'est pénible pour moi de dire ça, mais Darmani était un nom qui évoquait le courage et la vaillance, enfin, quand j'étais en vie. Oh oui, quand j'étais en vie. Mais hélas, je fais maintenant partie des défunts. Mon nom n'est plus que souvenir et regret. Tout se passait bien, je faisais route vers le pic des neiges, espérant vaincre le démon qui s'y était caché. Il a répandu le chaos et désolation dans le village Goron, mais le blizzard, souffle divin et glacé m'a jeté dans la vallée. Mon cœur est plein de rage. Dans cet état, je ne peux que regarder le village Goron se faire ensevelir sous la glace, mon trépas est sans repos. Tu peux utiliser la magie, celui qui vole dans le ciel me l'avait dit aussi. Je t'implore, ramène-moi à la vie avec ta magie. Si c'est au-delà de tes pouvoirs, alors je t'en prie, essaye d'apaiser mes souffrances. Je ne sais par quel moyen, mais s'il te plaît, soigne les douleurs de mon cœur épuisé. D'accord, mais je suis censé faire quoi? Parce que le taper, bon, ça va changer grand-chose. Taper, ça va pas changer grand-chose. Cela est un écrit avec des lettres que vous n'avez jamais vues. D'accord, et si je lui reparle? La médecine est pour les vivants, elle ne fera rien. Je t'en prie, apaise ma douleur, pas besoin de me ramener dans le monde des vivants. Je sais que tu peux le faire, je t'en supplie, apaise mes souffrances. Apaise mes souffrances. Ah, je sais! Attendez, 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 je sais, je sais, je sais. Il y a une musique, non? Chant de l'apaisement, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. GG, merci. Merci, merci. Quelle mélodie apaisante. Mes souffrances s'évaporent au rythme serein de cette douce musique.
Ah, et du coup, on va récupérer son masque. Ah, ça me rend un peu triste. Ça me rend un peu triste. Comment il va, Maxou? Bah, il a faim, donc il n'arrête pas de faire des bêtises. C'est un peu bizarre. Oh non! Oh non, il pleure! Oh non, il pleure! Oh non! Oh non! Oh non, le pauvre! Bah, c'est un mojo mort, maintenant c'est un goron mort. Bah ouais. Je te laisse mes vœux immortels. Les exploits que j'ai accomplis sont gravés sur la pierre froide de ma tombe. Tu dois les lire. Vous obtenez le masque Goron. Ce masque contient l'esprit d'un valeureux héros Goron. Portez-le pour vous transformer en Goron et retirez-le pour redevenir normal. Bon. Pour la destinée du village Goron, je fais appel à ton courage et à ta détermination. Aide-les, s'il te plaît. Bah écoutez, on va directement essayer de mettre ce masque. En vrai, on aura récupéré pas mal de masques, hein. On aura récupéré pas mal de masques, hein. Oh waouh, oh, c'était bizarre. Oh waouh, oh, c'est stylé. Oh, trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Waouh. Oh punaise. The fuck. Mais c'est le feu. C'est trop trop bien. Et en plus, je peux arrêter quand je veux. C'est trop trop bien. Bah écoutez, Sigil le héros Goron d'Armanie, le troisième. En souvenir de sa vaillance, ici est inscrite l'histoire de ses actes héroïques. Voulez-vous lire les mémoires de ce héros au courage inflexible? Techniques utiles. Oh héros des Gorons, ta force pour soulever des objets sans pareil. Ton cœur est fort et bon, rempli de compassion pour tes frères. Toi, héros des Gorons, appuie sur A et pousse pour te mettre en boule et rouler comme la pierre qui dévale les rochers. Si la magie t'est familière et que ton roulé-boulé est rapide, tes pics magiques pousseront pour écraser tes ennemis. Méfie-toi de l'eau, car pour ceux dont la peau est de pierre, sombrer dans les profondeurs serait un désastre. Ok. Alors non, c'était pas ce que je voulais faire. Et du coup, il y avait d'autres trucs techniques de combat. Les puissants coups de poing des Gorons sont craints par tous. C'est en appuyant sur B qu'ils abattent des furies. Mais en appuyant plusieurs fois sur B, le vaillant guerrier Goron fait pleuvoir une avalanche de coups de poing sur ses ennemis. Après une pression sur A, le guerrier Goron peut sauter avec B et retomber au sol, provoquant un tremblement de terre. Ah, attendez. Non. Ah! Ah, c'est pas mal! Ok. Alors par contre, je vois, il y a un truc derrière. Je me dis peut-être. Ah voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Et merci mon Rémi pour le avoir. Merci, merci, merci. À ta santé mon Rémi. À ta santé, à ta santé, à ta santé. Hop. Et du coup, ça fait quoi? Ouais, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, honnêtement. Et si j'enlève ça, du coup, qu'est-ce que ça fait? Donc je cours à l'heure. Bah, de toute façon, le live est bientôt fini. Merci une fille de fusion en random de me donner un Latios en starter. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il faut faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite sauvegarde encore une fois au niveau du machin là, au niveau du je sais plus quoi. Non, tu n'es pas d'Armania, le grand. Sinon, je n'aurais pas érigé ta tombe parce qu'en fait, je vois pas. Qui ça pourrait être alors? Tu es revenu dans le monde des vivants parce qu'il faisait trop chaud sous ta tombe. Il faisait trop chaud sous ta tombe. Et ça, je peux pas le péter? Non, je peux pas le péter. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, si je descends juste là, est-ce que je prends des dégâts? Ouais, je prends des dégâts. C'était un peu sûr, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Je sais pas s'il fallait rester en haut. Je suis pas resté en haut en soi. Je pense pas que ça va poser trop de problèmes. On va aller sauvegarder et on va arrêter là du coup pour aujourd'hui. En vrai de vrai, ça me fait un peu chier d'arrêter comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous laisse encore de belles choses du coup pour la prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas les gens dans le chat à dire un petit au revoir à YouTube. On va faire la petite fin de VOD. J'espère que vous aurez passé un agréable moment dans la compagnie. Moi, j'ai passé un très très bon moment, je suis très content. On a continué Zelda Majora's Mask, on a récupéré en vrai pas mal de masques. En vrai, si on regarde, on a récupéré le masque Goron, on a récupéré le masque de l'explosion et le masque des parfums. En plus de ça, on a fini le côté du marais Mojo et on part vers les Gorons. Donc très très cool, très très cool, très très cool. Comme dit en début de VOD, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est là où est-ce que c'est le plus important pour moi et c'est là où est-ce que vous pouvez le plus me soutenir. Et puis sur ce, bah moi je vais vous faire des bisous. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. C'était Taneige et ciao la VOD, j'ai envie de dire. Merci à tous ceux qui m'ont dit au revoir à YouTube, merci l'enfileur de perles, merci mon Rémi et merci mon loup-garou, vous êtes adorables. Merci, merci. Hop. Je vous fais des bisous YouTube, c'était Taneige. Ciao, j'ai envie.